je ne veux que toi. Je m'attendais à toi. Je ne veux que toi. Je m'attendais à toi. En ce jour, je m'attends à toi. Oui, ce matin, je m'attends à toi. Oui, ce soir, je m'attends. Ma famille, je m'attends à toi. Lola, fous-moi mieux. Lola, fous-moi mieux. Et vous, maman, et...
Bonsoir à tous. J'espère qu'on me reçoit très bien. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Alors, bienvenue. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je suis très content de voir le Gabon représenté ici ce soir. Du moins, si des gens se connectent depuis le Gabon. Le culte de ce soir sera un peu particulier. Alors j'aimerais bien avant que nous puissions commencer, que vous puissiez m'aider à inviter un maximum de personnes. Dites à ces personnes-là que notre culte a commencé, si elles peuvent nous rejoindre. Alors, aidez-moi à inviter un maximum de personnes. Dans 3 minutes, bien continuer. Bénissons et nous t'ovationnons, Dieu de Dieu. Merci parce que ta main repose sur nous. Merci parce que tu nous as fait grâce d'être là ce soir. Nous te bénissons, nous t'ovationnons et nous te remercions pour la joie. Des pleurs, la paix, le calme, la sérénité, surtout pour la vie, dans le nom de Jésus. L'honneur et la gloire te reviennent, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
ce jour, je m'attends à toi. Oui, ce matin, je m'attends à toi. Alors, je m'en excuse pour les bruits de fond en arrière-plan. Ce soir, comme vous pouvez le savoir, nous sommes dans une phase particulière, non seulement au niveau du Gabon, mais dans l'Afrique tout entière. Ce que le Gabon, ce par quoi le Gabon est en train de passer aujourd'hui, n'est qu'un signe qui annonce quelque chose de prépondérant dans la suite des temps. Nous nous sommes toujours posé la question de savoir, en ce qui concerne le Gabon, je parlerai spécifiquement par rapport au Gabon, nous nous sommes toujours posé une question: où est le Dieu du Gabon? Où est le Dieu que nous prions? Pourquoi X chose et pourquoi Y chose? Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose et celle-ci constituera la problématique ou du moins la quintessence du culte de ce soir. Suite à cela, nous allons prier pour le Gabon, pour l'Afrique et ensuite nous allons nous séparer. Église, tout d'abord, il est écrit dans 2 Chroniques 7, 14, une parole que j'aime beaucoup. La Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, je m'excuse pour les bruits en arrière-plan, et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sont les inconvénients de vivre dans un appartement. Je m'excuse pour le bruit en arrière. Ceci dit, Église, récemment je vous ai enseigné sur les saisons. Ceux qui étaient là, je vous avais parlé sur les différentes saisons. Je vous avais dit, dans ces saisons ou dans le mystère des saisons, il y a deux grandes saisons dont on peut en tenir compte. La saison dite de la vallée et la saison de la montagne. Autrement dit, la saison dite de préparation et la saison d'exposition. Il est important de comprendre, de se poser une question en tant que moi: qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par ce qui se passe au Gabon, au Nigeria, au Mali récemment, qui s'est passé récemment, et dans, pratiquement dans toute l'Afrique? Right now, maintenant, c'est le temps du Gabon. D'ici 2 jours, quand je parle de 2 jours, je veux dire d'ici quelques années, le Sénégal également va vivre quelque chose. D'ici quelques temps, un autre pays vivra quelque chose. La question qu'on se pose, c'est: qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Pendant que je m'apprêtais, il y a une interrogation qui est venue dans mon esprit. On a l'habitude de dire: Dieu ne nous parle pas. Père, parle-nous. Mais la question qu'on va se poser, c'est: est-ce que c'est Dieu qui ne nous parle pas? Ou est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas le langage de Dieu?
Je me suis rendu compte, encore aujourd'hui, que Dieu nous parle. Je me suis rendu compte, encore aujourd'hui, que Dieu nous parle. Hier ou avant-hier, pendant que j'étais en train de penser, de méditer en esprit par rapport aux Écritures, je me suis rendu compte d'une chose écrite. Ah. Même le peuple choisi de Dieu, appelé Israël, est passé par des saisons particulières. Même le peuple choisi de Dieu, appelé Israël, a eu des guerres, a eu des moments de haut et de bas. J'aimerais que vous vous prêtiez à mes lèvres afin de ne pas prêter à confusion mes propos. L'Afrique est dans une ère révolutionnaire. L'Afrique, Dieu a pointé son doigt sur l'Afrique. Comme on a l'habitude, j'ai l'habitude de le dire, c'est notre temps. Nous attendons seulement notre tour. Mais à l'instant où nous parlons, c'est non seulement notre temps, mais c'est aussi notre tour. Et il serait important aussi, et il est de ma responsabilité en tant que leader d'église, de ne pas seulement vous prêcher sur la spiritualité et tout ce qui va avec, mais aussi de vous dire, église, ouvrons les yeux. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de se mettre en mouvement. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Pour ceux qui l'ont compris, depuis, c'était déjà prévisible. Ça s'est passé, je crois, au Mali. Après le Mali, je crois, c'était un autre pays. Et là, c'était le Nigeria. C'est le Niger ou le Nigeria, je crois, actuellement. C'était déjà prévisible que quelque chose allait se faire en ce qui concerne le Gabon. C'était déjà visible. Mais l'une des clés, l'un des points culminants qui a été le signe déclencheur, c'est ce qui s'est passé avec la Russie. C'est là où tout a commencé. Est-ce qu'on me comprend? J'aimerais, avant qu'on ne prie, attirer votre attention ou notre attention sur une seule chose. L'une des choses qui retarde la percée d'un individu, d'une contrée, d'un pays, quelquefois, ce ne sont pas ses dirigeants, mais c'est le système de mentalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu prend le soin d'apprêter jusqu'à ce qu'on atteigne la mentalité qu'il veut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du Gabon n'a été qu'une croissance du point de vue, du point mental qui a apporté des actions. Hier, ces choses ne pouvaient pas se faire. En 2003, on ne pouvait pas parler de cela. En 2009, on ne pouvait pas parler de cela. Mais aujourd'hui, il y a eu l'expression de l'évolution d'une mentalité. Mais il est important de comprendre que c'est juste un signe. C'est juste un signe qui annonce l'évolution des choses. Je me joins à la prophétie qu'un homme de Dieu a donnée. L'Afrique va émerger. Mais l'Église aussi va évoluer. L'Église doit et va passer à une autre dimension. Alors j'appelle à la responsabilité de tout un chacun
que tu sois Sénégalais, Gabonais, Nigérien, quelle que soit ta nationalité, il est important que tu comprennes que toi aussi tu as un rôle à jouer par rapport à l'évolution de ta nation. Ceci est le point culminant de mon propos ce soir. Nous avons tous un rôle à jouer par rapport au développement de notre pays. Et l'exposé que je m'en vais faire ce soir n'est tout simplement qu'un prémisse par rapport à un programme qui se fera sûrement dans le mois, intitulé « Le rôle de l'Église par rapport aux crises dans la nation ». Il serait important que nous, en tant qu'Église, nous ne puissions pas seulement être braqués sur la vie après la mort, le salut. Car notre rôle d'abord n'est pas après la mort seulement, mais nous avons aussi un rôle à jouer sur l'importance de nos apports dans la société. Je m'appelle prophète Azaf Emel, je réside actuellement au Sénégal. C'est vrai que Dieu m'a appelé pour le corps de Christ et Dieu a permis que je n'aisse aucun bon. Ça voudrait dire que même si je serai et je suis utile pour le monde entier, j'ai des droits, des devoirs et une responsabilité en tant que prophète à signer d'abord à mon pays. Et il en va de même pour tout un chacun. Alors j'aimerais ici nous interpeller. C'est le moment de se poser une seule question. Dans quel domaine je serai utile pour ma nation? Dans quel domaine je serai utile pour le développement de ma nation? Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis prophète. Dans quel domaine je serai utile pour le développement de mon pays? C'est le moment de comprendre que toutes les actions que l'on pose ont une chaîne d'impact dans nos vies, dans nos familles, mais aussi dans notre pays. Et quel que soit le poste que tu as, ça a un impact dans la société. Aujourd'hui, nous qui faisons partie de la diaspora, nous comprenons mieux cela. Si je commets une infraction aujourd'hui, on ne va pas dire l'individu tel, mais on va dire le Gabonais tel. Comme pour dire, toutes les actions que j'aurai à poser se reflèteront sur l'image de mon pays. Ceci pour dire, nous avons un rôle à jouer, Église, par rapport à l'évolution de nos pays. Dieu a fait grâce. Je le dirai ainsi, que ce que l'on regardait au loin, du côté du Mali, du côté du Niger, on le voit déjà auprès, dans notre propre pays. Je terminerai mon propos en disant ceci. Je n'aimerais pas ici inciter à la révolte ou quoi que ce soit. Là n'est pas mon objectif. Et mon objectif ici, c'est de nous emmener à prendre conscience sur nos responsabilités. Mais aussi à comprendre qu'il n'y a pas d'évolution sans combat. Le thème global, la vision de l'année à ITS, de l'année 2023, est celle-ci. L'année de la conquête. Il n'y a pas de conquête sans guerre. Il n'y a pas de conquête sans bataille. Même le peuple de Dieu, pour conquérir Cana, a dû se battre. Écoutez-moi, Église. Ce que l'on appelle paix n'est pas le calme et la tranquillité. La paix ne se définit pas par le silence et la tranquillité. Quelquefois, même la paix peut avoir une définition différente de l'idéologie qu'on fait d'elle. Je ne sais pas si on me comprend. Je nous appelle tous à jouer un rôle primordial par rapport à l'évolution
par rapport à l'émergence, je dirais, à la transformation de notre pays. Nous sommes les citoyens du ciel, certes, mais nous appartenons à une nation, la nation sénégalaise, ivoirienne, congolaise, gabonaise. Ceci était mon exhortation de ce soir, sans pour autant tenir en longueur, tirer en longueur autant pour moi. J'aimerais qu'on puisse prier pour l'Afrique et pour le Gabon. Quand je dis l'Afrique, c'est parce que la situation dans laquelle le Gabon se trouve, il y a le Nigeria qui est dans cette même situation, et je crois le Mali aussi right now, actuellement. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour l'Afrique. Ceux qui sont informés, ils savent ce qui est en train de se faire. Ils savent. Et quand vous regardez les informations de manière prophétique, vous pouvez comprendre qu'il y a des alliances que Dieu est en train de casser avec l'Afrique. Ce ne sera pas facile. Est-ce qu'on peut activer nos micros, prier pour l'Afrique, prier pour le Gabon pendant 5 à 10 minutes et après nous nous séparerons. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie pour ton pays. Prie pour l'Afrique. Prie pour le Gabon. Prie pour ton pays. Lavadosh. Zibradira. Zambadosh. Radig lavahadosh. Ziglahavusha. Ebra soufayala. Sadabaka dadinesh. Père de gloire, nous te bénissons. Nous prions ce soir pour l'Afrique. Nous prions ce soir pour le Gabon. Nous prions ce soir pour le Niger, pour le Mali. Père, nous recommandons entre tes mains l'Afrique. Notre prière, c'est que tu sois avec nous. Notre prière, c'est que tu étends ta main à ma mère par rapport à ce continent. Elohim, tu as choisi l'Afrique. Scientifiquement, il est dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tu as mis ton doigt sur l'Afrique. Tu nous montres les signes. Tu nous montres les signes d'une évolution. Tu nous montres les signes d'un impact. Tu nous montres ici un changement immense. Nous voulons regarder la vie avec tes yeux. Nous voulons que tu sécurises la vie. Nous voulons qu'au-delà de tout ce qui va se faire, la véritable scène s'installe en Afrique. Nous voulons, Elohim, que tu prennes l'Afrique avec tes mains. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu t'assaignes sur l'Afrique. Nous voulons, Elohim, que tu protèges non seulement l'Afrique, mais que tu établisses ton pays. Nous l'enlevons de tout contrat, de toute alliance avec notre pays, nous confondons ta volonté, que tu es celui qui nous entoure, sécurisons la nous, ô Dieu de gloire, et levons l'Afrique, laisse nous croyons l'Afrique soit vue, tu es celui selon l'éclat qu'elle mérite. Nous croyons que tu es au contrôle de chaque événement. Merci de ta main tendue sur notre frère. Merci parce que ton regard s'est tourné vers nous. Ton regard s'est tourné vers nous. Prends le Gabon dans tes mains. Tu protèges le Gabon.
conduis-le d'abord. C'est l'heure du combat. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon. Nous sommes prêts à arriver à l'heure du Gabon. Laisse Elohim que les potentialités du Gabon soient extraordinaires pour pouvoir étaler. Parce que nous savons que tu combats. C'est l'heure du Gabon. Parce que c'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon. C'est le temps du Gabon. La paix du Gabon. La paix du Gabon. Nous avons fait l'excellence dans le Gabon. La réussite dans la vie des Gabonais. La richesse exponentielle au niveau du Gabon. La santé au niveau du Gabon. C'est le temps à ma paix. Une nouvelle saison. C'est le temps à ma paix. Une nouvelle expansion. C'est le temps à ma paix. C'est le temps du Gabon. C'est le temps du Gabon. C'est le temps du Gabon. Elohim, nous avons longtemps prié. Vois, merci. Donne la force. Donne le courage. Donne la détermination. Donne la force. Donne le courage. Donne la détermination. Tu ne fais pas combat, tu nous donnes le gagner, et nous croyons que Continue à faire.
de Jésus. Maintenant, aide-nous afin que nous puissions traverser, que nous puissions traverser tout ce désert et montagne. Cette nouvelle saison, le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te voici. Merci parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Tu n'oublies pas les prières de ceux-là qui le font avec un cœur sincère. Dieu de gloire, voici à l'aube d'une nouvelle saison. Je te prie, fortifie les familles, fortifie les cœurs, fortifie Elohim, tes enfants. Nous ne sommes qu'au commencement. La suite pourrait être encore compliquée. Mais ce qui est évident, c'est que la conséquence sera agréable. L'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas surpris. L'Église, au-delà du fait que nous sommes une institution divine et céleste. Nous exerçons nos fonctions sur la terre. Et on ne peut pas venir faire un culte en griffe conventionnelle tout en excluant tout ce qui se passe sur le monde ou dans le monde dans lequel on... Et je crois qu'il serait mieux. Il serait mieux, je crois qu'à l'avenir, au niveau de l'ITS, nous aurons des temps où nous allons prier pour les nations, que ce soit pour le Gabon, pour le Sénégal, parce que nous sommes une église, je ne sais pas comment on dit, la multinationale, je crois que c'est ça. Nous regorgeons plusieurs nations ici et notre fardeau, la Bible dit, allez et faites des nations des disciples. Donc, on ne pourra pas faire d'une nation un disciple si on ne commence pas par prier pour cette nation. J'aimerais surtout m'adresser aux Gabonins et Gabonaises. Ne laissons pas distraire par quoi que ce soit. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui et je pouvais lui dire, même l'air, pour ceux qui sont sensibles, l'air, rien que l'air annonce un nouveau mouvement. Quand vous examinez l'air que tu respires, le vent, on peut sentir une nouvelle ère. L'atmosphère même nous annonce un nouveau message. Nous sommes arrivés dans une phase où la saison d'un certain mode de fonctionnement est terminée. Ici, le combat physique est contre peut-être un certain régime. Mais en réalité, pour les hommes spirituels, le combat est contre un type de fonctionnement. C'est contre un type d'entité. Vous verrez que d'ici demain, dans les temps à venir, la gloire de Dieu se manifestera encore d'une manière extraordinaire. Et en Afrique. Est-ce que tu peux mettre en commentaire
c'est notre temps et c'est aussi notre tour. Nous sommes dans notre temps, nous sommes aussi dans notre tour. C'est notre temps et c'est notre tour. Le Gabon, comme l'Afrique, fera partie, le Gabon fera partie autant pour moi des pays référentiels d'ici peu de temps. L'Esprit de Dieu m'a dit, quand c'est notre saison, vous savez, quand c'est notre saison, ce qui a pris 10 ans à l'autre, nous, ça peut nous prendre 2 ans. Est-ce que je parle à des esprits? Là où les autres ont fait 10 ans, 30 ans pour arriver à une dimension d'évolution, de modernisation, d'épanouissement, nous, parce qu'on est dans la saison, ça peut nous prendre seulement 5 ans. Donc, c'est-à-dire, avec un seul mandat de l'homme de la saison, on peut révolutionner le monde. Et je vois comment, par ces signes, le cœur de plusieurs personnes vont venir à Christ. Le Gabon est une nation chrétienne. Au-delà des alliances qui eussent été contractées hier, mais le Gabon est une nation chrétienne. Et Dieu est en train de se servir de toutes ces situations afin de prendre la nation qui l'appartient. Pour ceux qui ont fait des longues études, ils vous diront, en classe de 4e année, on nous apprend que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce qui revient à dire que la vie, scientifiquement parlant, prend son sens en Afrique. Ceci pour dire, l'Afrique n'est pas un continent comme les autres. Et il n'y a aucun autre continent sur lequel on retrouve des richesses comme celui de l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Scientifiquement parlant, par rapport à la théologie, il est dit, les théologiens disent que même le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. C'est pour vous faire comprendre que c'est le moment de briser les complexes de peau, de race. C'est le moment de briser l'infériorité. Parce que l'une des choses aussi qui retarde l'Africain, ce sont les complexes. On pense qu'on est inférieur. On nous a fait croire que notre peau n'est pas valorisable. Église, c'est notre temps. Et c'est aussi notre tour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon et l'Afrique. Nous avons terminé pour ce soir. Et nous nous donnons rendez-vous vendredi par la grâce de Dieu. Mais il y a 2 annonces dont j'aimerais donner. La première annonce, c'est celle-ci. Le programme de la retraite a été repoussé pour une date ultérieure qui vous sera transmise. Donc, comme certains ont pu le voir, l'indisponibilité du Gabon est à l'origine de toutes ces choses. Donc, notre programme se fera aux nouvelles dates qui vous seront assignées. La deuxième annonce, nous aurons une conférence particulière aussi par la grâce de Dieu ce mois, comme je l'ai dit dans mon propos, qui traitera sur une thématique particulière, à savoir
Alors, la thématique, c'est le rôle de l'Église dans une nation en temps de crise. Le rôle de l'Église dans une nation en temps de crise. Quel est le rôle de l'Église dans la nation en temps de crise? Et cette conférence sera sur Facebook et sur Zoom et sur YouTube exclusivement par la grâce de Dieu. Et ce sera une conférence qui impliquera l'intervention de plusieurs hommes de Dieu et qui va marquer, ce sera une de nos conférences phares, c'est-à-dire ça va marquer un nouveau programme. Donc ça se fera par la grâce de Dieu tous les 3 mois et à chaque fois il y aura une thématique très claire, thématique qui paraît être tabou. Mais nous aborderons une thématique très claire. La première thématique, c'est le rôle de l'Église. Et il y aura bien évidemment l'intervention de plusieurs hommes. Parce que cette situation par laquelle nous sommes passés m'a amené à me poser une question pendant que j'étais en train de méditer. Quel est le rôle de l'Église dans cette phase? Je ne sais pas si vous êtes assis et avez réfléchi comme moi. On a vu la jeunesse se lever. On a vu la diaspora se lever, en tant que jeune du Gabon se lever. On a vu beaucoup de choses. Mais quel est le rôle de l'Église? Pendant ce genre de crise, quelle est l'importance de l'Église? Est-ce que l'Église a-t-il un rôle à jouer? Est-ce que l'Église, donc pour moi, a-t-elle un rôle à jouer? Si oui, est-ce que le rôle de l'Église se limite juste aux jeûnes et prières? Parce que nous sommes devenus des prieurs, des bons et des excellents prieurs. On s'est rendu compte que parfois nos prières semblent ne pas avoir d'impact. Est-ce qu'on doit se limiter à la prière seulement? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'Église de changer sa façon de faire, l'Église du Gabon précisément? Et cette conférence sera comme un signal d'alarme que nous donnerons au Père de l'Église. Un signal d'alarme par rapport à l'Église de la francophonie, à l'Église du Gabon, afin de dire que c'est le moment de redéfinir certaines choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y aura un changement au niveau politique par rapport à la gestion du Gabon. Mais je vous dis encore, c'est juste un signe. Il doit y avoir un changement dans tous les domaines au niveau du Gabon. Et dans certains domaines au niveau de l'Afrique. Un changement. Il y a des choses qu'on doit totalement enlever. Et toutes ces choses-là n'auront nul impact si préalablement nous ne prenons pas conscience. J'ai l'impression de faire déjà de la politique par ma façon de parler, mais je crois qu'on va s'arrêter ici. Ce soir. Si vous avez votre offrande, prenez-la, nous allons prier. Nous allons prier et nous séparer. Alors, je vais prier pour les offrandes et nous nous séparerons. Père, nous te bénissons. Je prie pour ces offrandes. Ma prière, c'est que tu sois le rémunérateur de toutes ces personnes-là, non seulement qui te cherchent, mais qui en pensent à te donner, quelle que soit leur géolocalisation. Merci pour l'Afrique, pour le Sénégal, pour le Mali, le Nigeria, le Niger, pour le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, pour la Guinée. Merci pour le Gabon.
Merci parce que nous pouvons sentir, voir et comprendre un mouvement d'excellence, un mouvement de gloire, un mouvement transformationnel. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Dormez bien. On se voit vendredi. Shalom. Merci. Amen. Shalom. Famille, je m'attends.